Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Aujourd'hui, je teste pour vous Heavyland! C'est parti! Ce programme est présenté par Starpy Productions. Sur cette... Non, je souhaite pas, moi je lance le jeu. Heavyland. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me suis préinscrit parce que je trouvais ça cool. Alors du coup, on va bien voir. Je clique sur jouer. Sélectionnez votre classe de personnage. Alors j'ai le choix entre une magicienne, ce qui semble être un barbare. Puis je sais pas, je pense peut-être un voleur. Alors moi je vais prendre la magicienne, voilà. Parce que j'aime bien. Donc entrez votre nom. On ne déroge pas à la règle. Starpy. Non, passe partie. Starpy. Ça y est, je suis déjà dyslexique à cette heure-là. Ça va pas le faire. Ok. Je suis une sorcière. Je suis une sorcière. Conseil. Pour une expérience optimale, veuillez tenir votre appareil de la façon suivante. Ouais, bah de toute façon, tu pensais que j'allais le tenir comment, moi, l'appareil? À un moment donné, il faut bien le tenir. Hein. Alors, je pense que c'est un petit RPG. Je me souviens même plus. Alors, utilisez le joystick, utilisez le balayage. Compris. Ah oui, bah c'est un beau RPG, même, je dirais. Parlez à Afflorn. Oui, c'est joli. Alors, est-ce que j'ai des paramètres pour voir un petit peu la qualité graphique du bousin? Non, je crois pas. Je vois pas sur l'écran. Alors, on va aller parler à Afflorn. Ah, voilà. Ah oui, c'est pas très sensible au niveau du tourné de caméra. Tu vois, là, genre, je balaye, tu vois. Voilà. Quand ils disent balayer, ils disent balayer, hein. Ils disent pas fait semblant, quoi. Ils disent pas époussiette l'écran, ils disent balaye. Donc, Afflot. Ah, mais Afflot, il est derrière moi. Déjà, je suis parti trop loin. Là, il y a un petit carré, là. Starpy, bon sang, ouvre tes yeux, t'es aveugle ou quoi? Alfnot, salutations, quel plaisir de voir votre nouveau visage par ici. Vous ne vous imaginez pas rester aussi propre dans un si horrible endroit. Est-ce que ça vous dirait de combattre des squelettes enchantés? Bien sûr. Attention, ils ne se rattrapent pas tant que vous n'aurez pas arraché leur tête ou que vous ne leur aurez pas arraché leur suivant. Ah d'accord, suivant. Il n'y avait pas leur. Vous croyez pouvoir gérer? Eh bien, très bien. Nous avons besoin de toute l'aide disponible. Il y a même une récompense à la clé si vous survivez. Bah ouais, tu m'étonnes, je vais pas faire ça gratuitement non plus, hein. Je veux dire, bien sûr que quelqu'un d'aussi héroïque que vous survivra. Allez, bonne chance. Tuer trois squelettes. D'accord. Tu me lances comme ça dans le jeu en mode faut que je tue des squelettes. Mais attends, attends, il n'y a pas de paramètres, il n'y a rien là. Attends, je vais cliquer sur. Voilà, vitalité. Force, vitesse, chance. Ok, réinitialiser les attributs. Ok, donc j'ai 10 gemmes, j'ai 50 pièces d'or. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un menu? Alors voyons voir. Ah, là j'ai un menu clavier. Non, ça c'est pour taper un message pour les autres joueurs. Ok, là j'ai un menu quoi? Hors ligne. Ok, là j'ai un menu. Ok, je viens de le faire. Là j'ai un menu. Ok. Ça, c'est pour l'expérience et les compétences. Ok, augmentation spéciale, blablabla. J'ai mon petit sac à dos. Ok, blablabla. Ensuite, les trophées. Ça, c'est quoi? Téléportation. Non, je veux pas me téléporter, moi. Non, non, tu téléportes pas. Aucune téléportation. Voilà. Donc, je peux me mettre sur course auto. Ah ouais, non. Ah, c'est génial, ça. D'accord, j'ai le petit. Je peux me déplacer, je peux me TP. Ok. Il n'y a pas de menu pour accélérer la vitesse du jeu, quoi. Enfin, au niveau du. Pour tourner quoi, tu vois. D'accord. Tu vois, donc c'est pas très sensible, je trouve. Par contre, le jeu, je le trouve plutôt pas mal pour un RPG mobile, hein. Faut pas oublier que ce jeu est gratuit et disponible dans la description. Ah bah ça y est, attends, ça y est, je me fais attaquer là. Attends. Attends, pendant que je fais le con à l'antenne là. Ouf. Oh, wow. Oh, TP-toi là, TP-toi là. Oh, retourne-toi, retourne-toi là. Oh, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es une magicienne ou... Non mais oh!
Toi, je vais pas me faire enlever la vie par le premier joueur du truc là, bon sang. Oh! Un PNJ en plus. Non mais oh! PNJ, personne non jouable. Ou personnage, comme tu veux. Hello there, stranger. Hello! Elfnat, voici la récompense. Beau travail pour les squelettes! Ouais! Je récupère des trucs, de l'or et des gemmes. Parler à Baxter. Ouais, je vais me faire tout le village, quoi. Hein? Ça y est, je suis une petite magicienne. Les gens ils se sont dit, tiens, hein? Come to Bon, protect on c'est un petit us. moine en plus. Alors, Baxter, il faudrait toujours se montrer bienveillant envers sa promise. La mienne est la plus douce qui soit. Moi, t'as l'air d'un moine, c'est bizarre. Elle a reprisé mes chaussettes et porté mes enfants et s'est tenue à mes côtés pendant des jours funestes. Je me suis servi comme d'une esclave et j'ai bu tout notre argent. Ah bah c'est pas gentil ça. Je dois la sauver pour récupérer un remède à son mal, mais j'ai besoin de plus d'herbes, Be blablabla, careful accepter la outside. quête. Voilà. Enfin, je fais blablabla parce que je vous laisserai à vous aussi l'honneur de tout lire. Hein. Donc est-ce que je peux passer par les bois? Ah oui, je peux passer par les bois, oui, c'est vraiment un monde ouvert, quoi. C'est pas genre c'est un RPG. RPG like. Hein, donc avec un monde ouvert, je pense, assez grand. Hein. En tout cas, Evilland, si je l'ai téléchargé, c'est que ça m'avait plu sur la présentation. Hein. Et oui, parce que je télécharge pas des jeux comme ça au hasard. Pop pop, pompelop. Par contre, tu veux pas courir un peu plus vite là? Ah, attends, attends, faut que je clique là-dessus. Niveau, force. Ok, j'augmente ma force. Et il veut tout le temps que je clique là-dessus, je peux pas monter ma vitalité. Ah si. Puis je vais augmenter ma vitesse. Et puis je vais augmenter ma chance. Tiens. Voilà. Comme ça, j'ai 3 de force, 2 de vitalité, 2 de chance, 2 de vitesse. C'est à peu près équilibré, on y retourne. Ah oui, parce que c'est quand même un RPG. Le but, c'est quand même d'augmenter ses niveaux. Ah oui, elle court un peu plus vite, là, la donzelle, là. Herbe, je ramasse des herbes. Effectivement, je ramasse des herbes. Voilà. Il ne s'agit pas de drogue, hein, les enfants! C'est de l'herbe médicinale. Voilà, attends, il y a des squelettes qui m'attaquent pendant que je cueille là. Oh! Tu vas me laisser cueillir mon herbe, oui? Quoi, tu veux me faire un test salivaire aussi? Attends, je vais aller tuer un peu des squelettes là. Waouh! Ah ouais, elle fait vachement plus mal qu'au premier coup. Hein, tout à l'heure, elle m'a fait galérer un peu là. Donc, en haut, j'ai ma barre de santé en rouge et puis j'ai une barre d'énergie en bleu. Ou alors peut-être c'est le truc de la quête, je sais pas, c'est pour peut-être changer de niveau, je sais pas, on verra bien. Donc rassembler des herbes 3 sur 5. Et puis tu vois, en haut à gauche, on me dit qu'il y a des players qui ont rejoint la game. Et donc c'est un jeu multijoueur. Bon alors, il y a des squelettes rouges là. Moi je vais me faire un squelette rouge. Ah, oh, puis un squelette bleu. Oh. Non mais oh, moi je vais me TP sur le côté là. Tiens, dans ton dos. Bâtard. Squelette. Ah, oh, puis à chaque fois que je trouve un truc, faut vraiment j'appuie sur ramasser, sinon elle ramasse pas. Ok. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça change des RPG à la souris clavier. Hein, je trouve ça plutôt pas mal. Mais du coup, tu vois, il se reboot directement. Hein, ça repop directement. Hein, tu vois, je l'ai tué, le machin, il est réapparu, quoi. Ok, j'ai 4 herbes sur 5. Tu pouvais pas me les afficher avant, c'est là, je suis passé à côté devant. Alors, les graphismes. Voilà, hein, faut pas s'attendre, comme je dis d'habitude, à de la Xbox 360 ou de la PS4 ou alors à de la Wii U. Quoique. Quoique. Bon, mais après, voilà, c'est un RPG, je pense, dans la longue tragédie, non. La longue lignée des RPG. Aujourd'hui, je perds mon latin, tu vois. Ça c'est la sorcière, ça. Bouge tes fesses, là. Allez, bouge, dandine-toi un peu. Non, c'est pas sexiste, non. Ouais, pas pire que lui, là, qui a esclavagé sa femme, là. Tiens, va lui donner de l'herbe, là, qu'elle fume un peu. Pour avoir sauvé ma femme, ma famille, une reconnaissance éternelle. Quoi, c'est tout? Juste une reconnaissance éternelle? Donc obtenez plus de récompenses, bonus, machin. Non, je m'en fiche. Je vais pas regarder des vidéos. Mais sache-le, si tu as l'occasion, tu peux regarder des vidéos pour augmenter tes bonus. Donc là, en bas,
j'ai des choses. Donc, je peux augmenter, j'ai 5 points d'attribut. Donc, je vais augmenter ma vitalité en priorité. Et je vais augmenter ma vitesse. Et puis, ma vitesse. Et puis, ma force. Comme ça, on est à 4 partout. La chance, on verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on me propose ici? On me propose de débloquer un sort pour 250. Donc, envoie un trait de flamme infligeant des dégâts dans une petite zone. Eh oui, oui, je débloque. Bien sûr, je débloque. Oh, comment ça, je débloque? Non, je débloque pas. Je suis pas fou. Alors, ah, on a d'autres sorts. D'accord, donc si je clique là-dessus, d'accord, c'est pas encore débloquable, mais on a toute une panel de sorts. Alors, niveau 2, information équipée. Ah non, niveau 1, déjà je sais pas lire. Donc voilà, on ramasse au fur et à mesure des objets. Donc on a des armures, bottes, anneaux, casques et amulettes. Voilà, une longue lignée des RPG. Ah oui, j'ai un deuxième bouton qui est apparu en bas à droite, là, près du petit cercle. Donc maintenant, il faut que je parle à je sais pas qui. Hein, il faut toujours parler à un PNJ. Ah, il faut que je reparle au même. Baxter, ah, vous voilà déjà de retour. Bah oui. Quel plaisir de vous revoir, si seulement les choses allaient mieux. Nous mourons de faim depuis le jour. Mon estomac grommelle sous l'effet de la famine. Le roi squelette détient de sombres pouvoirs. Il invoque ses sbires, donc on va les tuer, le roi squelette. Hein. Tuer le roi des morts vivants. Ouais, bon, on va peut-être se upgrader un peu avant. Hein. Je pense qu'en passant sur la route, de toute façon, on va se upgrader un peu. Donc vous voyez, en vert sur la carte, je pense que c'est les PNJ. Et puis, est-ce qu'on peut lui parler à lui, tu vois, par exemple? Tu vois, si je vais vers lui, là, est-ce que je peux lui parler? Non, je peux pas lui parler. Lui, juste, il fait la gueule, quoi, tu vois. Je ne suis pas content. J'ai des squelettes partout chez moi dans mon jardin. Je peux plus faire pousser ma ganja. Bon. Hein, on va faire upgrade un peu tout ça. Parce que... Ouais, la magicienne, elle a pas besoin d'être au corps à corps. En plus, Starpy, voyons. Donc, tu vois, ça vise automatiquement les ennemis. Hop, je me TP un peu parce que... Voilà, je suis pas un... Hein. Oh. Oh. Merde, pour le son, désolé. Je suis pas un bout en train, alors arrête! Arrêtez de m'agresser, s'il vous plaît! Je vous demande de vous arrêter! Ouh. Voilà! Ben oui! Eux, ils viennent au corps à corps, mais moi, j'ai pas besoin d'aller au corps à corps. Ah, ça, c'est un autre joueur, ça, tu vois. Niveau 5. J'ai vu sur sa tête, c'est écrit niveau 5. Mais laisse-moi, mais. Mais laisse-les-moi! Non, mais oh! Il me pique mes kills! Là, j'ai l'impression de jouer à Call of là, du coup, tu vois. Pick mes kills! Mais en même temps, ils repopent assez vite, hein, les ennemis, tu vois. T'as le temps de les popper plusieurs fois, quoi. C'est. Ah, ça me rappelle tellement des jeux de ma jeunesse. À tuer des monstres et des monstres et des monstres et des sangliers. Et des petits cochons d'Inde pour pouvoir upgrade un peu. Tiens, qu'est-ce que tu fais trop près de moi, toi, Phil? Donc, ma barre de santé descend pas si vite que ça. Eh, oui, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Tiens, on va essayer le sort de feu. Tiens, on va essayer sur lui, là. Tiens. Ah oui, ah bah oui. À direct. Hein, tu vois, ils sont pas très, très... Tiens, et ça, c'est quoi? C'est des orques, ça? Ah bah oui, tu vois, direct. Enfin, on le reconnaît, hein. Inspiration, James Cameron. Ah, ils sont plus résistants, les orques, tout de même. Ouais, niveau supérieur, tu vois, je pop un peu. Mais bon, le but, c'est quand même d'aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe. Voilà, 46 mètres. Ouh, il est pas beau. Ah, je peux peut-être l'avoir de là, non, non. Ouais, je peux pas le toucher de là, quoi. Voilà, ouais, ça me permet de me reculer assez rapidement. Ouais, vas-y, faut le popper, là, vite. Vite. Voilà, je spamme le bouton, mais voilà, comme un... Comme un enculé. Vas-y, prends. Voilà. Voilà. Ah, j'ai spammé le bouton. J'ai spammé le bâton. Bouton. Ok. Se téléporter en ville. D'accord. Donc, c'est maintenant que ça sert la téléportation. Donc, on va augmenter notre vitalité, notre force et notre vitesse. Un peu de chance aussi. Parce que, voilà, hein, on va pas rester en bas. Et on remet un peu de force. Ok. Tac. Dans mon sac à dos, je vais équiper la petite amulette. Ah, elle est déjà équipée, parfait, voilà, et on retourne
Ah non, je veux pas quitter la partie, non, je vais retourner sur le menu. Ok. Et hop, petite téléportation, petite épée au centre du village, où nous allons voir notre cher Baxter. Baxter, où est-ce que tu es, Baxter? Toujours en train de te servir de ta femme? Le roi squelette est déjà mort. La route du roi est tellement dégagée, ferons vite, je pourrais manger une vache entière, je ne sais pas comment vous remercier. Mais moi je sais, donne un boule pognon. Un boule le pognon, je t'ai dit. Voilà, donc 875, je vais pouvoir peut-être upgrader mon sort. Voilà, parce que si je me souviens bien, voilà, améliorer 500, et je l'améliore. Hein. Voilà, dans ce genre de jeu, il faut toujours améliorer ses compétences. Tu vois, la petite vache, là, elle a rien demandé, tu vois, regarde, elle remue la queue. Hein. Pas très vivace, mais elle est là. Tu crois que je peux la taper? Non. Oh, je peux même pas la shipper. Par contre, elle s'est tournée, hein. Elle s'est pas tournée avec une super animation, tout de même, hein. Evil Lord, je vous le rappelle, un jeu mobile gratuit disponible dans la description. Welcome. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Oh, vous semblez bien vous en sortir, les choses ne vont pas trop mal pour moi non plus, j'ai toujours rêvé d'être riche et maintenant que ces monstres sont là, le commence à être florissant, blablabla, bah tuer les monstres, je savais que vous étiez l'air combatif, le boulot consiste juste à tuer 10 orques. Je viens de le faire ça en plus. Thank you. Elle dit thank you en plus, tu vois, elle est gentille, tu vois. L'autre il lui dit va au front, et l'autre il dit ouais, ouais, merci. C'est cool. Ouvrir la carte. Ok, donc là il me situe où sont les orques. Donc, est-ce que je peux mettre un point sur la carte? Non, je ne peux pas mettre de point sur la carte. Et je ne peux pas me déplacer quand la carte est ouverte. Ok. Allez. On va aller au front de l'orque, évidemment. Alors. Ah, mais il y en avait derrière moi aussi des orques. Pourquoi je ne vais pas derrière moi, tout simplement? Je sais pas, peut-être. Donc, elle vise vraiment tout droit, mais il y a quand même un espèce de visée automatique. Donc si t'es trop loin, ça tire vraiment tout droit. Mais sinon, ça... Ah, je repop de la vie. D'accord, j'ai vu au-dessus de ma tête, j'ai repris 2 points d'HP. Ah, tiacre carré. D'accord. Donc, j'ai une tiacre carré. Je pense que si j'en ai 2, ah bah je vais l'équiper tout de suite. Voilà. Hop. La tiacre... Ah, niveau 8, tu vois. Donc il faut être niveau 8 pour équiper. Donc oui, c'est vraiment... Comme dans tous les RPG, certains objets sont accessibles tout de suite et d'autres pas. Voilà, tu me mets moins 3, mais je reprends plus 2. Donc pour le moment, pas grande difficulté. Hein. Un novice pourrait s'en sortir. Ouh, par contre, il est pas beau là. Chauve-souris monstrueuse. Ouh, toi, je te spam, toi. Ouh, t'es pas belle, toi. T'es pas belle. Donc les qualités graphiques, je suis sur une tablette assez vieille hein, quand même maintenant du coup. Et je trouve que ce jeu est pas trop mal. Un peu de clipping à l'horizon, mais bon je préfère ça qu'avoir à galérer pour faire toutes les actions. Bâton mage, ah je peux les récupérer de loin quand même. Ok, donc si je retourne sur mes... Non, dans mon sac. Donc dans mon sac j'ai mon bâton niveau 1, ok, ok. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ah, j'aimerais bien vous montrer un peu plus que le début du village, tout de même. Mais je sais que dans ce genre de jeu, si on s'éloigne trop de notre quête principale, en général, on se fait arracher les fesses. Tiens, pop-toi un peu en arrière, voilà. Ah, faut t'en servir des boutons, ils sont là pour ça, Starkey. Hein. Oh. On dirait un noob là, qui découvre le RPG, tu sais. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un guerrier quand même. Ah, je sais pas. Peut-être je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que vaut le guerrier. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu et cette petite atmosphère. Regarde-moi ça. On serait prêt à pêcher là, un petit poisson là. Hein, on est dans les montagnes. Alors je pense qu'il y aura certainement un château et puis des donjons. Ça m'étonnerait fortement pas. Ah, par contre, dans l'eau, je marche pas très vite. Si je me fais agresser, c'est mort, quoi. Toi, t'es mort aussi. Voilà. Ah, je crois que... Je crois qu'il a pas pu aller dans le bois. Dans l'eau. Dans le bois. Je confonds le bois et l'eau, maintenant. Ok.
Donc, j'ai tué 4 sur 8 orques. Est-ce qu'il y en a d'autres des orques dans le coin? Ah, je prends plus 18, plus 1. Ok, donc si je regarde la carte, les orques c'était bien les petits machins oranges. Donc, si je continue tout droit, je pense m'en sortir. Ah, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer tout dru. Il y a certainement une belle phase d'exploration à faire, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'en ai fait quand même quelques kilomètres là depuis le petit village. D'ailleurs, l'ATP, c'est très pratique finalement, ça évite de faire des allers-retours. Allez, on va tuer des orques. Ah, je pense que je ferai même une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu plus loin. Il y a un truc en plus pas beau là. Allez, vas-y, shoot-le, 62 vies là. Oh, oui, il me défonce. Vas-y, recule. Un troll, c'est un troll. Pas un ours, c'est un troll, Starpy. Si tu sais pas faire la différence entre un troll et un ours, eh ben t'es pas dans la merde, hein. Donc là, ça me TP un peu de vie quand même. Allez. Voilà. Donc à chaque fois. Je tue un ennemi, j'ai l'impression que ça remonte plus vite quand même. Mais voilà, tiens, récupère l'or, mise à jour de la quête. Ok, je me TP là. Hop. Voilà, je vais récupérer ma récompense. Donc je suis au centre du village. Tout va bien. Tout va bien. Donc on peut vraiment passer partout, quoi. Il n'y a pas de frontières, pas de limites. Récupérer, voilà, tatata, j'ai récupéré, je suis content, j'augmente mes niveaux. Voilà, j'ai tout mis au même endroit que tout à l'heure, je ne me suis pas embêté. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, ça c'est classement des joueurs, je m'en fous un peu. Donc là. Information rangée, ok. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Information rangée, équipée, ok. Donc arme, armure, ok. Donc là il y a tout, sinon après c'est individuel, ok. Donc dans mes sorts, je peux augmenter. Non, je peux pas, je suis à 930. Alors c'était Starpy Productions pour Evilland et j'espère vous montrer la suite très prochainement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, elle n'est pas sponsorisée par NordVPN ou quoi que ce soit d'autre. Ça fait bien un chien, mais bon, c'est comme ça. À bientôt! Alors, je viens de remarquer qu'en quittant le jeu, en fait, tu as la possibilité de mettre une haute résolution et un niveau de jeu plus rapide. Donc, pour la prochaine vidéo, je tenterai de vous montrer un niveau de jeu plus rapide. Par contre, la résolution était haute. Est-ce que je peux mettre très haute? Je peux mettre très haute. Alors la prochaine fois, j'essaierai de te montrer ça en qualité très haute. À bientôt! Ce programme est présenté par Starpy Productions.